6 cm, c'est ce qui est tombé cette nuit sur la Vendée. Ce matin, la neige était bel et bien présente sur le département. Difficile de circuler donc, car si les grands axes sont dégagés, certaines routes restent encore bien enneigées. Une circulation au ralenti et des automobilistes plutôt prudents. Mais c'est une météo qui fait des heureux. La neige est tombée à pic. Aujourd'hui, mercredi, les enfants ont pu en profiter pleinement. C'était pas vraiment attendu, c'est la première fois que ça nous arrive. Donc c'est un peu la surprise et on en profite. Donc on bouleverse tous les programmes et on a fait une méga super bataille de neige. Si on met chacun une boule et qu'on la jette sur quelqu'un. Alors il suffit d'adapter le programme, des batailles de neige feront l'affaire. Je pense qu'on aurait pu leur proposer n'importe quoi. On n'avait pas eu trop de succès. Donc déjà d'une, on avait envie de leur proposer ça parce que pour eux c'est une chance. Pour certains, c'est la première fois qu'ils voient de la neige. Et puis voilà, c'est l'occasion qui fait qu'on s'adapte, c'est l'animation. Quant aux riverains, ils préfèrent réagir avant que ce soit trop tard. C'est pour rendre service aux gens, aux piétons qui veulent passer sur le trottoir. Parce que quand ça glisse, surtout les anciens, hein, c'est très dangereux. Hein. On peut se casser quelque chose. À Aubigny, ils n'avaient pas vu une telle neige depuis les années 60.